projet Grandir en Europe est un projet scolaire qui regroupe trois établissements de formation, le lycée public La Martelière à Voiron, le lycée privé Bellevue à Saint-Marcellin et l'IFTS, donc Institut de formation en travail social des Chirolles, faisant partie de l'agglomération grenobloise. C'est pas juste gazouiller un enfant, c'est des couches et tout ça. Il y a des petits-enfants partout, il y a des parents partout. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, quoi? On a toujours à apprendre de l'autre. D'ouvrir cette question au monde, quoi. De mettre le focus sur le côté créatif et innovant d'un enfant, quoi. Sincèrement, on n'en revient pas nous-mêmes. Le projet Grandir en Europe a compté quelque 333 mobilités, des mobilités de groupe, des mobilités individuelles, des mobilités depuis la France vers les pays partenaires, mais également depuis les pays partenaires vers la France. Deux années d'échange, 5 pays d'Europe, plus de 260 personnes mobilisées à l'occasion du salon Grandir en Europe. De la Finlande à la Roumanie, en passant par l'Italie et la Turquie, et bien sûr la France. Alors, Erasmus+. C'est un travail de réseau. Là, on a ouvert le partenariat avec l'Italie. Je suis convaincue depuis longtemps que la petite enfance, c'est l'affaire de la société. Je suis éducatrice de jeunes enfants. En fait, j'ai toujours cherché à ce que je vivais, moi, dans ma vie personnelle, dans mon histoire, dans tout, à raccrocher mes expériences à mon travail au quotidien avec les enfants. Donc là, carrément, aller visiter ailleurs, c'était le summum. Ça me plaisait beaucoup. De faire ces liens, de faire d'autres liens, Je pense qu'on ne s'est pas du tout rendu compte quand on a écrit ce projet, en multipliant comme ça les partenariats, on ne s'est pas du tout rendu compte de ce que ça représentait. Et on est très étonné que la mayonnaise ait pris de cette manière-là. On s'interroge d'ailleurs sur le pourquoi. Alors sans doute effectivement la complémentarité entre les acteurs principaux du projet, mais au-delà de ça, il y avait une sorte de volonté, une vraie volonté commune que ça marche. Les structures, les écoles, les professionnels, les communes sont tous dit « oui, enfin, quelque chose sur la petite enfance ». Nous étions dans un kindergarten, c'est l'équivalent d'une... Un jardin d'enfants. La différence entre la France et la Finlande, c'est pas du tout la même chose. Les enfants ont beaucoup de liberté. Quand il fait moins 20, ça, ouais. Moins 20, bah, ils peuvent jouer dehors. Alors que nous, en France, au contraire, on les laisse... Au chaud. Ouais, voilà. Ils peuvent monter sur les chaises hautes, on ne va pas du tout les engueuler, on va les laisser faire. On va pour leur apprendre le danger, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils apprennent la vie. En fait, j'étais très contente d'avoir ces deux jeunes stagiaires parce qu'ils ont apporté un point de vue différent. Ben, on laisse les enfants prendre aussi des décisions. On ne coupe pas les jeux quand on est pressé. Et puis, chez nous, on a aussi le système qu'on est dans le jardin d'enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Il n'y a pas tellement de cours pour les enfants. Donc il n'y a pas d'obligation, donc c'est plus facile peut-être d'écouter les enfants. Je pense qu'ils ont appris ça peut-être, comment écouter les enfants. On a les différentes catégories personnelles et participants qui sont présents là, donc enseignants, formateurs, des élèves. On a des élus et on a aussi des personnels non enseignants, donc des personnes qui ont travaillé en cuisine dans nos établissements, des agents d'entretien, des personnels de vie scolaire, des secrétaires, etc. Donc ça nous a demandé de savoir tout de suite travailler en équipe, avoir une certaine cohésion, on a fait plusieurs groupes de travail. C'est vachement intéressant de voir comment ils travaillent dans les autres pays. Enfin, le regard qu'ils portent sur leurs jeunes. Il fallait travailler ensemble, il fallait se mélanger avec des gens qu'on ne connaissait pas. C'est vrai que maintenant, voilà, on se connaît mieux. Quand on doit chercher des lieux de stage ou accompagner certains élèves pour trouver des lieux de stage, ben, voilà, on connaît les prénoms, c'est plus facile. Hein. Ben, moi, j'ai grandi avec la Roumanie et ce que les Roumains m'ont appris de leurs relations humaines.
Et les citoyens de demain, ça commence avec la petite enfance. On n'attend pas d'avoir de jeunes adultes à 18 ans à qui on va demander des obligations et des devoirs et je ne sais quoi d'autre. On a tous un peu les mêmes idées, les mêmes envies pour travailler. Si vous avez la possibilité de partir, partez. Je regrette absolument pas, c'était super. On a trois territoires impliqués dans le projet. Le premier territoire, c'est la ville de Voiron, bien sûr. Ensuite, la ville de Saint-Marcelin, la communauté de communes de Vinay et le centre social du Royan. Et enfin, troisième territoire, les villes d'Échirolles et de Pont-de-Clé dans l'agglomération grenobloise. Sur ces territoires, trois catégories de personnes sont concernées. Des professionnels petite enfance, des chargés de mission coordinateurs, des élus. Dans les établissements scolaires, trois types de personnels sont impliqués dans le projet. Des enseignants formateurs, des personnels de vie scolaire et des personnels administratifs et techniques. Déjà, c'est la rencontre avec plein d'autres gens. C'est-à-dire d'être me retrouver à discuter de la petite enfance avec des gens d'horizons différents. Je n'avais pas pensé à aller voir dans les autres pays, en fait. Beaucoup à regarder en France, essayer de voir des conférences, des pédagogues français qui parlaient, mais jamais j'avais pensé à regarder dans les autres pays, en fait, tout simplement. Après, le voyage en lui-même, finalement, c'est une toute petite partie du projet. Au début, ça a l'air d'être la chose la plus importante parce que, ben voilà, moi, j'ai pas d'occasion de voyager tant que ça. Au niveau professionnel, bon, alors là, l'apport, il est énorme. Par exemple, moi, je suis allée en Finlande où l'ouverture sur l'extérieur est très importante, de l'extérieur, la nature. Donc, tout de suite, on a eu une réflexion d'équipe là-dessus. Le fait que dans les structures, il n'y ait pas que du matériel adapté aux enfants, mais aussi aux adultes, des espaces partagés enfants-adultes. C'est des choses, tout de suite, on en a parlé en équipe et on a travaillé dessus. Puis aussi, ça conforte sur ce qu'on faisait. C'est-à-dire que le regard de l'autre dit, ah bah, finalement, ce qu'on fait, c'est pas si mal. Mon métier, c'est un métier où on peut très bien se retrouver complètement renfermé sur soi-même, sur le quotidien. Voilà, c'est un métier où il faut vraiment avoir plein de choses pour s'ouvrir le plus possible, que ce soit de la formation, des analyses de pratique, des temps de réunion d'équipe. Enfin, voilà. C'est dès qu'il y a, en fait, moi, je suis heureuse dès qu'il y a une expérience humaine, dès que je sens qu'on est dans l'échange et dans la rencontre. Donc, c'est tous ces moments-là où le formel se brise pour laisser apparaître l'humain et le lien, voilà. Chaque photo nous parle, mais c'est intéressant. Il y a une dimension que j'ai trouvée, ne sont pas assez bonne qualité. Oui. Alors, dans ce cas-là, il faudrait qu'on refixe une limite. Et donc, on avait réfléchi pendant que les groupes travaillaient. Non, mais c'est vraiment une culture, quoi, de la documentation. Et c'est pas simplement donner à voir et montrer ce qu'on fait. Par exemple, Albo est en train de documenter. Aux partenaires français se sont associés des partenaires de trois pays européens, la Roumanie, la Finlande et la Turquie. Et aujourd'hui, ces pays sont au nombre de quatre, puisque nous avons intégré l'Italie. Frise des générations, j'y reviendrai juste après, des temishibai, des poupées, des rochers. We get some materials from Turkey, game boxes. Yeah, I'm from Turkey, from city Denizli, Pamukkale University, and from the Faculty of Education. It's the third time we are here. I am here for growing up in Europe project. The project, as you know, to compare the childcare systems in France, Finland, Romania and Turkey. Yok bir sıkıntı yok zaten Nilgün gelmedi. Ben size bir konuşma yapacağım. On a fait des échanges, oui, on s'est regroupé entre lycée et l'IFTS où on a partagé des moments et on a partagé aussi des moments avec les apprenants donc qui sont venus de Turquie, Finlande et Roumanie. Alors ça, je pense qu'il faudrait poser la question à ces dames-là parce qu'elles sont parties. Bah moi, je suis en école d'éducatrice de jeunes enfants. Donc moi, je suis partie en Turquie. Et c'est vrai que c'est différent dans le sens où eux, ils accueillent pas les enfants entre 0 et 3 ans. Et pour eux, je pense, c'est ce qu'ils nous avaient dit, ça avait été un peu un choc pour eux de voir qu'en France, bah, on accueillait, nous, les 0-3 ans.
Bah, je pense que c'est surtout lié à leur culture, parce qu'eux, ils ont une culture familiale peut-être un peu plus importante et la place de la femme n'est pas la même. La notion du risque qui n'est pas du tout la même en France et en Turquie. Et du coup, moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup questionnée là-dessus, le fait qu'en Turquie, par exemple, dans les cours de récréation, il y a des carcasses de voitures, il peut y avoir des petits plans d'eau, etc. Et c'est vrai que nous, en France, on est loin de ça, quoi. Il y a vraiment la culture du risque hyper importante. Et du coup, je pense qu'on s'interdit beaucoup de choses du fait de la peur de ce qui pourrait arriver. Et c'est vrai qu'en Turquie, ils sont pas du tout là-dedans. Et du coup, c'était vachement intéressant de voir ça aussi. Un travail de recherche qui est copiloté, je dirais, ou managé par une enseignante chercheur, Madame Sylvie Reyna, donc qui nous a appuyé sur ce projet. Ce sont effectivement différents retours qu'ont fait nos visiteurs, que ce soit donc les professionnels, les élus, les étudiants, qui sont allés dans un ou plusieurs de ces pays et qui font état de leurs découvertes, de leurs émerveillements ou de difficultés ou autres. Et pour faire des retours, en France, une fois le parcours effectué pour partager les expériences. Et le fait de le documenter comme ça, vous voyez, sous forme de PowerPoint, sous forme de livre, permet justement de rassembler tous les acquis, les découvertes, les questionnements. Et voilà. Et à partir de là, c'est sûr qu'en croisant tout ça, il y a une mine d'or, quoi, vraiment. Voilà. Ça nous semble important de tout mettre par écrit, forcément à l'instant T, pour que ce soit sur le moment et que. Et qu'on n'oublie pas, en fait. Mais oui, on a rédigé un petit carnet de bord. Au bout du compte, en 4-5 mois, on a fait 210 mobilités comme une délégation nombreuse d'adultes professionnels de la petite enfance, roumains, turcs et finlandais. On va croiser le regard d'enseignants et de formateurs comme nous, mais aussi de professionnels de la petite enfance, des directrices de crèche ou des responsables de relais d'assistantes maternelles ou des animateurs d'accueil loisirs. Je représente le centre social de Preșmer, c'est une commune de la centre de la Roumanie. Dans ce projet, j'ai eu l'occasion de travailler avec mes collègues de France, Finlande, Turquie. Et vraiment, je suis enchantée de notre travail commun. Mais la principale pour moi, c'est les échanges avec les stagiaires. 5 stagiaires à Brașov, 3 aux crèches et 2 dans le centre social. Mais les filles ont été super, super, super. Nous avons très bien travaillé. Et aussi, les stagiaires français ont été des modèles pour mes collègues, pour les professionnels roumains. Acest program m-a ajutat să îmi dau seama cât de important sunt limbile străine și ce program m-a aidé à connaître l'importance des langues étrangères et m-a donné l'envie d'apprendre beaucoup. J'ai réussi à me faire des amis dans d'autres pays et découvrir qu'ils sont différents, mais pas de la manière que nous avions pensé. Am văzut o țară civilizată. Ce programme m'a motivée d'apprendre la langue française et la langue anglaise pour pouvoir communiquer avec les autres. Ce programme m'a aidé à m'adapter dans un collectif, dans un autre pays, avec des autres habitudes et avec des gens différents. Je considère que c'est grâce à ce programme que nous sommes devenus de meilleurs collègues, plus unis et de bons amis. My first experience in France and my first visit, and it's awesome. From Transylvania, actually, I'm very near from Dracula Castle. I'm a kindergarten teacher. Erasmus is very generous and very accessible for us to develop projects. Yes, it is a great experience, and I'm so delighted to be here because I was very impressed about the exposition.
Ce projet a donné lieu à 3 productions, un salon animé par tous les participants, une mallette de jeu réalisée par l'ensemble des élèves et des étudiants avec l'aide de l'ACEP, l'Association des collectifs enfants parents professionnels, un recueil d'analyses construit à partir du travail des 6 groupes thématiques constitués par les enseignants, formateurs et professionnels et accompagnés par Sylvie Reyna, chercheuse dans le secteur de la petite enfance. Je suis ici parce que j'ai fait partie du projet Grandir en Europe. Je suis responsable d'une halte garderie sur Échirolles. Je ne suis pas partie, mais j'ai beaucoup participé à toute l'organisation après des rencontres que nous avons eues pour construire un petit peu tout cet échange. J'y vois vraiment une grande ouverture d'esprit sur effectivement des politiques petite enfance différentes dans d'autres pays. Le partage des expériences de chacun, c'est vraiment quelque chose qui, en tout cas pour moi, me servira. Et c'est vraiment ce que moi, personnellement, je recherchais. Ce n'est pas un aboutissement, c'est la continuité pour autre chose qui reste à construire avec plusieurs partenaires. C'est important à l'heure actuelle, avec ce qui se passe, de montrer que, à des moments, on a des préjugés. Et que tant qu'on n'a pas été dans les pays, c'est difficile de se rendre compte de ce que les gens vivent. Uniquement par les médias, c'est impossible de se rendre compte. Voilà, on a vu des choses, et qu'est-ce que nous, ça nous, en tant qu'individus, mais également professionnellement, qu'est-ce que ça change dans nos pratiques? En quoi vous pensez que ce projet vous a fait grandir, vous en tant que personne, en tant qu'individu? De ne pas rester enfermé sur ce qu'on a appris ou sur ce qu'on pense. Je me suis découvert, un peu comme toi Cécile, des talents que je ne savais pas avoir. Se donner beaucoup plus de liberté par rapport au corps. Et c'est vrai que du coup, maintenant en cours, je laisse davantage la possibilité aux élèves de se mouvoir. Et moi-même aussi, je me suis surprise avec Paivy dans un atelier danse à me libérer, voilà, chose que je n'avais jamais faite. Et je me souviens d'une soirée quand on a reçu nos partenaires. À la fin de la soirée, il y a eu un instant de fraternité. Pardon. Et c'était vraiment très fort. Voilà. Les larmes de Sylvie De Vic. Voilà, des éléments marquants qui ont créé un attachement humain. On voudrait vraiment remercier Cerise, René, Marie-Laure, qui ont été quand même les 3 pilotes du projet. On est les 3 porteurs de projet, on est vraiment le symbole de ça. C'est-à-dire que moi, je suis enseignante dans un lycée public. Marie-Laure est formatrice dans un institut de formation privé et universitaire. Et René est enseignant dans un lycée privé. Donc tous les 3, on a associé nos compétences. On est tous les 3 très complémentaires. Et c'est vraiment à l'image du projet, en fait. Dès le début, il y a eu vraiment une connexion entre les gens. Donc ça a été déjà vraiment à la base une connexion, une découverte humaine. C'est-à-dire qu'on travaille tous à peu près dans le même secteur, que ce soit formés au métier de la petite enfance, les jeunes qui veulent être professionnels ou les professionnels en eux-mêmes. Mais on ne se croisait pas vraiment. Et là, on s'est croisés, mais effectivement, ça aurait pu pas du tout prendre. Au contraire, il y a eu vraiment des belles rencontres humaines. On a tous les âges, en fait. Hein. On a depuis les très jeunes enfants, on a nos étudiants qui sont des apprentis, donc 16 ans. Après, on a du bac pro, 18 ans. On a de l'étudiant, ça va de 20 à 40 ans dans les étudiants. Et puis après, on a tous les formateurs, les professionnels, les élus. Donc effectivement, c'est de l'intergénérationnel et du transsectoriel. Ce qui est intéressant dans ce projet-là stratégique, c'est qu'il y a des étudiants, il y a une pluralité d'acteurs, il y a une pluralité de participants, il y a donc des étudiants, des enseignants de lycée, des enseignants de l'enseignement supérieur, des professionnels, des élus. D'abord, ce qui est important, c'est l'ouverture à l'échelon européen. Ça a permis aussi à des établissements proches sur un même territoire qui n'étaient peut-être bien souvent que des adresses administratives, entre guillemets, et bien de se rapprocher, de travailler ensemble. Ça a permis à des collectivités aussi comme les nôtres de se rapprocher, de travailler ensemble. 4 pays étrangers européens. Et donc l'idée était de dépasser les représentations qu'on peut avoir sur tel ou tel pays. On a commencé par travailler sur nos propres représentations ici en France. Les représentations que pouvaient avoir les établissements, les collègues du public sur les collègues du privé et vice-versa. On a passé une dizaine de jours en Roumanie justement à visiter les structures. Là, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était l'engouement des Roumains et d'être intégrés dans des projets européens, parce que de ce que moi j'ai vu, ils étaient super contents en fait d'être... Ils voyaient vraiment l'Europe comme quelque chose de beau. On a un de nos collègues, animateur d'accueil de loisirs, Mehdi, qui lui a pu partir en Roumanie. C'est très enrichissant et puis d'un autre côté, c'est très dépaysant aussi.
Voilà, donc ça fait aussi plaisir, du coup, après avoir passé une semaine chez eux, de les accueillir chez nous. On mélange vraiment des personnes différentes pour croiser ces fameux regards sur la petite enfance. Et puis, bien sûr, on y associe nos élèves et étudiants. Et tout ça, ça a donné lieu, de manière assez incroyable, depuis 4 mois, à énormément d'allers-retours. C'est vrai que là, c'est un sacré aboutissement pour nous, hein, de voir concrètement ce que ça donne, les gens qui viennent, etc. On a le côté convivial qu'on a connu, nous, tout au long du projet avec le stand pâtisserie, puisqu'on voulait réintituler le projet Grossir en Europe. Voilà, puisque dans chaque structure de petite enfance dans laquelle on était accueillis dans les différents pays, on nous offrait une collation. C'est le point d'orgue du projet, ce salon à Voiron, salon Grandir en Europe. La difficulté qu'on a sur ces sujets-là, c'est que ce n'est pas strictement mesurable. Techniquement, en fait, ce sont trois... je rentre un peu dans la mécanique Erasmus. Il y a trois types de financement là, qui sont arrivés. Et ces trois types de financement, deux sont conclus aujourd'hui, mais il y en a un qui est encore en cours. Bon, on est plutôt sur des acquis d'apprentissage individuel maintenant. Le projet, il est bien sûr est financé aux trois quarts par l'Europe. Les collectivités qui ont participé au projet, les trois communes, il est aussi financé de façon indirecte par les établissements qui ont mis beaucoup de temps à disposition, les formateurs, les professionnels, bien au-delà de ce qui était dans le financement de l'Europe. Tout ça pour dire que c'est un budget de quelques 500 000 euros qui a été mis en œuvre. Des programmes Erasmus+, de cette nature, il y en a 10 en France, mais c'est le seul qui a mis en route autant de partenaires différents et qui est porté par un trio d'établissements. Donc ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a trois niveaux de formation différents, des apprentis CAP petite enfance, des lycéens de bac pro SAPAT service aux personnes et au territoire, des étudiants éducateurs de jeunes enfants. Nous ne sommes pas sur une pédagogie figée, définie, nous sommes dans une pédagogie qui est une pédagogie ouverte, qui a le souhait de réfléchir à ses pratiques, qui a le souhait de remettre en question ses pratiques, on est dans cette démarche. Et le fait d'aller voir, par exemple, en Roumanie, ce qui se passe, amener les étudiants à s'interroger sur la dimension entre le collectif et l'individuel. Et ça, c'est passionnant. En Turquie, le lien dans les établissements d'accueil de jeunes enfants avec la nature est très important. Et c'est des choses qu'on a très peu chez nous. Par exemple, il n'y a pas d'animaux parce qu'on a des règles très strictes. Pourquoi ces normes? Qu'est-ce qu'elles amènent? Quel est l'intérêt? Mais en même temps, quelle est la limite de ces normes? Comment chez nous, on annule certains aspects du développement de l'enfant par ces normes, alors qu'au départ, elles étaient là pour rendre service et pour protéger les enfants. Et en fait, peut-être en réfléchissant bien, on s'aperçoit que ces normes, elles vont au contraire limiter. Quand on rencontre quelqu'un qui travaille dans le même domaine ou dans un domaine qui s'approche à le vôtre, on a toujours de nouvelles idées. On peut trouver des coopérations également. Ces échanges, je sais pouvoir le dire, ont été fructueux, positifs, et on s'est enrichi de la différence de l'autre, de la différence des autres. J'ai eu le privilège de participer au projet en Turquie. J'ai vécu des moments inoubliables durant cette aventure. Aujourd'hui, on a coutume de dire que la jeunesse, l'enfance ou la petite enfance, c'est l'avenir, mais c'est aussi et avant tout le présent. Au départ, c'était une idée d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait dans le domaine, je dirais, de la pédagogie, de l'enseignement. C'est en venant sur place qu'on se rend compte vraiment de ce qui est fait, en fait ailleurs. Donc là, c'est encore autre chose que d'en discuter lors de réunions ou de rencontres. Je trouve que le but, c'est d'y aller vraiment sans préjugés et sans avoir des attentes particulières pour pas tomber dans ce cliché de comparaison et se dire qu'en fait c'est mieux en France. On était tous à l'affût d'expériences, à l'affût de ce qui se passait ailleurs et sans jugement. Parce que je trouve que ce qui était important, c'est de ne pas juger, parce qu'on est chacun à une étape. L'accueil de la petite enfance, il évolue depuis les années 80, il passe du mode de garde à un mode autour de projets éducatifs. C'est ce multi-partenariat
qui est vraiment comme une espèce de palette de couleurs à l'image de ces ballons qui sont là aujourd'hui. Et cette palette de couleurs par rapport à la petite enfance, pour moi, est indispensable sur un territoire. La constitution de mallettes de jeu, parce qu'on voulait aussi produire quelque chose avec nos élèves. Ça, ce sont les puzzles fabriqués par les étudiants de l'IFTS. Un jeu turc. Avec des petits personnages. Des jeux typiquement turcs, roumains, finlandais. Turquie. Le projet donc, de grandir en Europe, le cube. Je rappelle ce projet, il y avait trois pays au départ, la Roumanie, la Finlande et la Turquie, auxquels se sont rajoutés l'Italie dernièrement. Ce projet peut être, je dirais, comparé à un film. Dans le film, vous avez un réalisateur, c'est-à-dire celui qui porte le film, qui va le promouvoir. Ce sont les trois établissements. Vous avez des acteurs. Et puis vous avez, à la fin du film, une longue liste de gens, des metteurs en scène, des décorateurs, des coiffeurs, etc. Cette longue liste peut être comparée à ce que nous avons dans nos établissements. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de personnes qui ont œuvré derrière ce projet. Je pense que ça représente plus d'un millier de personnes au total. Alors maintenant viennent les acteurs. Et là, je souhaitais quand même leur attribuer un César. C'est Cerise Chevalier, Marie-Laure Bonabès et René Costarella. Et ces trois personnes, je dirais, ont été les piliers de ce projet. L'ouverture de nos enfants sur le monde, cette mission délicate de s'enrichir des différences des autres. J'ai fait la Roumanie, la Finlande et la Turquie. Et j'ai pu avoir du coup une vision un petit peu globale et voir un peu où se situait la France par rapport à ces quatre pays. Et moi, je trouve qu'on est un peu au milieu. Voilà, je trouve que en Finlande, on sait que le système finlandais est quand même, en termes d'éducation, il est assez performant. Je trouve qu'il y a plein de choses que j'apprécie en Finlande, mais j'ai trouvé des côtés un peu humains et des investissements professionnels en Turquie et en Roumanie. On se doit d'essayer d'être innovant. On se doit, en tant qu'enseignant, d'essayer de donner du sens à la scolarité par des projets comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est ma première motivation, c'est celle-ci. Après, ben, moi, je me sens très européen. Plus tard, c'est encore une question avec un grand point d'interrogation parce que finalement, j'ai pas encore terminé ma formation et que je me dis que j'ai encore plein de choses à découvrir. J'aimerais être responsable du secteur sanitaire. Rien que de partager quelque chose, un projet avec deux lycées, nous, ça nous a permis par exemple en Roumanie de retrouver trois autres étudiantes du lycée de Varron qui étaient parties sur le même terrain et donc de pouvoir échanger en même temps et en Roumanie des expériences qu'on pouvait vivre. Donc c'est sûr que ça crée une certaine cohésion et donc du coup plein de partage en fait. Alors, le voyage, c'est la découverte, c'est l'appréhension de l'inconnu, c'est la prise de confiance en soi par l'expérience. On leur a appris des comptines françaises, des jeux français, on leur a appris. À travers toutes ces discussions-là, ça nous a posé beaucoup de questions et c'est ce qui permet après, au niveau de nos pratiques, de pouvoir se questionner sur ce qu'on fait actuellement et comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. I hope our contributions will serve many good activities for all of these countries. J'ai parlé avec une femme, une très bonne discussion avec une femme qui travaillait dans les cuisines. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien parce que c'est l'ensemble qui s'occupe des enfants et pas seulement les profs ou les enseignants. La poursuite, c'est un ouvrage, un catalogue d'expo, enfin un petit bouquin qu'on est en train de rédiger et qui permettra une dissémination plus importante. On avait à mettre mot en fait entre nous tous, c'était de dire « Allez, il vaut mieux avancer un petit peu dans le désordre que de piétiner sur place. » Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est avancer. Nous avons redéposé une deuxième action clé pour des mobilités d'apprenants dont vers les trois pays partenaires, vers l'Italie. L'objectif, c'est effectivement pérenniser le dispositif. Depuis
more trustful in children because they are a source of new ideas, and they are teaching us more than we are teaching them, because they are always full of life and joy, and maybe we should remember that. Thank you.